ça. On va découvrir. Oui. On peut tu l'ouvrir même maintenant si tu veux. Ça fait pas cochon. Ça fait un vrai papillon. C'est trop joli papillon. Mais faut laisser l'espace. Faut laisser de l'espace, tu crois? Pour le papillon. Ah, pour le corps. Le processus commence par la mue de la chenille et l'apparition de la chrysalide. Qu'est-ce que c'est alors ? Il manque plus que les ailes et ça sera fini. Merci. C'est grâce au papillon. Si, c'est Lara Croft. Papillon rappeur. Non, papillon rappeuse. Oui, aussi. On va faire un papillon qu'avec des casquettes. Tu peux faire ? Tu prends des vieilles casquettes. Tu achètes des vieilles casquettes et tu peux coller et tu fais un papillon avec. Au début, la chrysalide est tendre comme une peau. On voit, c'est un gentil papillon. La, 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 la. Qui mange beaucoup. Qui mange beaucoup, ouais. Oui, comme moi. Mais elle durcit rapidement pour former un cocon résistant et protecteur. Allez, je mets la vis. On va mettre comme ça. Ouais, tiens. Vas-y, tu la mets. Et après, on va regarder où est-ce qu'on pourrait accrocher là, où est-ce que d'après vous on pourrait visser celui-ci là, parce qu'il faut trouver un point d'attache qui tienne. Oui. Dans la chrysalide, la chenille se transforme en un animal nouveau d'une toute autre nature. Ça y est, à présent je ne bouge plus d'un pouce. Même pour faire ça, tu développes un instinct, des techniques, des réflexes. Alors, qu'est-ce que de l'assemblage de forme, ça va, mais c'est pour la peau, la chair et la plupart des organes internes se liquéfient, puis se recomposent de manière entièrement différente. Il suffit de la chatouiller un peu pour constater qu'elle est bien vivante. C'est vrai, je n'aurais jamais cru réussir aussi impeccablement dès la première fois. La métamorphose dure 2 semaines. Ensuite, le papillon est prêt à quitter le cocon. Il n'y a pas à dire, je suis un crack. Dans le cocon devenu étroit, les ailes du papillon sont repliées autour de son corps. Un voilier. Attends. Le papillon. Yo, papillon. Mais il marche pas. Ah, ouf. Papillon, 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 il en a le petit papillon et ses ailes ont poussé. Bientôt, il pourra les déplier et ils durciront à l'air et au soleil. Et ses ailes ont poussé. Ça y est, c'est fait. On soit la bienvenue dans la grande famille des insectes. Non, mes ailes sont sèches. Il faut que je fasse tout de suite un essai. Oh, je ne vous cacherai pas que j'ai un peu peur, mais il faut bien commencer un moment ou un an. Papillon est d'une fleur à l'autre, quel rêve! Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est peut-être qu'on a la même chose. Alors, on va plus.
Pourquoi il marche pas? Voilà. Bon. Allez, vas-y. Pourquoi ça marche pas? Il pompe du sang dans ses ailes encore molles et se prépare pour son premier vol. Avec une envergure de 10 cm, le grand planeur est l'un des papillons les plus spectaculaires. Si vous aimez les papillons, oubliez les produits insecticides et plantez des fleurs. Vous ne le regretterez pas.